L'AIDE est l'organisme d'assainissement agréé compétent pour les 84 villes et communes de la province de Liège. L'AIDE protège contre les inondations les zones ayant subi des affaissements miniers et est en charge de l'assainissement des eaux usées sur son territoire. Nous concevons et exploitons les ouvrages nécessaires à nos missions, ce qui représente 155 stations de pompage, 75 stations d'épuration, 556 km de collecteurs, 317 km de câbles. Historiquement, ArcMap est notre outil de cartographie thématique des réseaux et régimes d'assainissement. ArcGIS Online, Survey 1, 2, 3 et Collector se sont ensuite naturellement imposés pour automatiser la remontée d'informations géolocalisées du terrain vers le bureau. Ces outils nous ont d'abord permis de faciliter la gestion des tournées d'entretien de nos ouvrages. Au bureau, la consultation du tableau de bord permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état des ouvrages. En découle alors la programmation des futures interventions. Le dashboard constitue donc le premier outil d'aide à la décision basé sur le SIG développé à l'AIDE. Le développement d'une cellule interne de cadastre et d'inspection visuelle des réseaux a constitué la seconde opportunité de recourir à Survey 1, 2, 3 pour collecter la soixantaine d'attributs nécessaires à la caractérisation de chaque ouvrage. L'équipe de gestion des données récupère au fur et à mesure les informations collectées sur terrain, les valide et les traite, avant d'alimenter la base de données de référence. Model Builder permet d'automatiser certains traitements plus complexes. Le développement des services que nous rendons à nos communes pour la gestion intégrée de leur réseau va achever de conforter notre intercommunal dans l'utilité de ces outils SIG et va mettre en évidence la nécessité de les rendre visibles et disponibles tant en interne qu'en externe. Au-delà du cadastre des réseaux, les études menées par les services de l'AIDE génèrent quantité de données liées à des ouvrages géolocalisés. Il semblait donc logique de les rendre également disponibles via une interface SIG. L'acquisition d'un ArcGIS Enterprise et d'espaces de stockage ont été nécessaires pour créer notre interface de consultation des données. Celle-ci donne accès notamment au plan as-built des ouvrages, à la géométrie des réseaux cadastrés, aux inspections visuelles, mais également aux résultats de diverses études. Basée sur les outils de la suite ArcGIS DESRI, la plateforme pour la gestion intégrée des réseaux à destination des acteurs locaux liégeois, alias JIRETOL, est disponible depuis bientôt un an pour nos communes partenaires.